La composante écrite de l'évaluation de littératie de la 12e année est composée de deux parties, partie A et partie B. Voici l'information concernant la partie A. L'objectif de la partie A est de vous amener à analyser plusieurs textes de façon critique et réflexive. Par la suite, vous devrez exprimer votre prise de position dans un texte argumentatif. Cette partie A présente tout d'abord un contexte de la pensée critique et réflexive afin d'engager votre réflexion sur le sujet. Vous devrez ensuite lire, écouter ou visionner des textes, puis répondre à des questions de compréhension et de synthèse. Ensuite, vous compléterez un tableau intitulé « Organigramme » où vous prendrez position face aux points de vue présentés dans les textes. Finalement, vous rédigerez un texte argumentatif clair et cohérent en vous référant au texte lu. Puisque l'évaluation contient des vidéos et des textes audio, il est important de vérifier le bon fonctionnement de vos écouteurs avant de commencer l'évaluation. Votre texte argumentatif sera corrigé par une équipe d'enseignantes et d'enseignants provenant de diverses régions de la province. Pour mieux comprendre comment vous serez évalué, veuillez consulter le guide de notation sur les sites du ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique. Pour en savoir plus sur l'évaluation de la littératie de la 12e année, veuillez explorer l'évaluation type et visionner les autres vidéos de la série.